La remise à Kelly, le quart arrière qui lance le côté, c'est intercepté. Marc-Antoine Decois franchit la ligne centrale, personne ne sera en mesure de le rejoindre. Marc-Antoine Decois, et c'est un toucher à l'ouest. Wow! Troisième essai et court. Chad Kelly reçoit le ballon. Kelly qui fonce. Oh, attention! Attention, les Alouettes qui résistent. Deuxième essai. Le quart qui lance. Et c'est capté! C'est un touché par Tyler Snead. Deuxième essai. Kelly qui cherche à nouveau. Le quart arrière qui lance. Sa technique est ratée. C'est intercepté. Kevion Hunto! Et c'est un touché défensif. Un deuxième retour d'interception par les Alouettes. Le quart arrière reçoit le ballon et c'est un toucher facile inscrit par Cameron Dukes. Ballon qui est à l'intérieur du 10 par James Letcher. Letcher s'en va vers les lignes de côté. Letcher qui a franchi une belle vague de joueurs. Et voilà Letcher, le long des lignes de côté. Les unités spéciales vont maintenant générer des points et c'est un toucher. Et gaspille du temps plus. Alouette, bingo, bon. James Letcher. Tu peux pas gagner avec 150 verges dans un match d'attaque. Fait que c'est toujours ça que... Oh, le receveur démarqué, voilà. Et c'est un touché pour Davaris Daniels. Septième victoire de suite, en fait, dans un peu moins de deux minutes de jeu. Alors, la course est effectuée par Joshua Nantwi. Et c'est un touché! C'est maintenant officiel. Après avoir participé au match ultime pour la dernière fois en 2010, les Alouettes vont prendre part au prochain match de la Coupe Grey.